والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمي ألا تلتندو كألا تلوى لنجمدون أمي ألا تندو سبو ألي لنتندو كاكا أمي نمو نمانا أنغا دون تاتي أنغا دباليتي أبلا جيني ألا كان نمالي أمي مسابا ألا تلتندو سو أني تلي سانا أني واتي بلا جيني وتمنينكو أمي نماني كيسيني مسابا ألا تلافي كو كان نمي مباكا أنكو تيكي محمد صلى الله عليه وسلم anaka somo sanman wa anajanyo nyumau ani mo mo tula uko kabarake nu kabarake ta ifo ata sekiyama duma albi kan farao jama banyumo ka alamo kera ambal maslamo ama yara kun ladi ani aw mun mal an lamena ni ala siranyai sabu ala tala yan wole qur'ana kono aya chamana ko ngasira alenye o aya nununa ala kira kun kera sallallahu alayhi wa sallam nabaka khutwa ukfo abi aya sabatala amfana ko aya sabayin de kala o aya folola ala tala ba on wulila ko aw mo gomunu liman yala ay sira ala tala nye yere yere la ay sira ala tala nye ala sira nya jati kala ko ngana safio nanti islamay o koroy di ay sabat islamay sira kan fokata si sayama ko kenni aw ye ala mo no yala o tamani ko aya flana na ala ba adama do mbela jilin wulila ko ngana sira ali andamba masanye mi ale alaw tala ye mi an danka bon ninkele na no yam fada mai afana ye an ba hawa o danka bo on ninkele na katla ka adam do bela jilin ciri ka bo olu flala ko nga sina ala nye o ko fe ko nga sina sinjia tigenye aya sabana na masaba alaw tala be muminu ni liman no lu liman jon ya ban wole la ko nga sina ale ala nye nga pma fok mam ye kuma nyuma ye kuma min ba to ala bi jama angara kuma fo kuma mba ke ala utala bi dima nkoro kuno kera abi ya fanjurumuma no kera abanga bara ulanya kadama ni mo min tugula ala ko katu kira ko sallallahu alayhi wa sallam edebina kuna wolo la haraka anke kuna wolo jon ila harala mo kera ibadallah inna fi hadhihi alayam nastaqbilu alamtar وهي فرصة لنا للتذكر بالله سبحانه وتعالى وبعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف دال مسلمان après la louange à l'endroit de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction pour l'âme du prophète Mohammed notre cher messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de son âme
Le thème que nous avons choisi, Inch'Allah, pour que ça soit l'objet ou bien le sujet de ce sermon, c'est la pluie. Vous savez que ces temps-ci, nous sommes rentrés dans la saison des pluies. Et cela est une occasion idéale pour nous pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour se rappeler des différents enseignements de l'islam qui concernent la pluie. Inch'Allah, au cours de ce sermon, nous allons voir que c'est un phénomène qui ne doit pas passer inaperçu pour un musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Ambal maslamaou, comme Ambala Djelemba don Chouamina, Ami Sanji Watila, Adona, Abina Wati Ninke, Inch'Allah, quand nafaka la ala mokera toraya mumba no fe kan kisi ka ba ma ala mokera donc ni wati ni konona na anya lon ka fo ko tabulo be islamela darsu be islamé fe ni wati ni konona na akaka ni wati ni na ame nyo hakilla jigi okodola odoye mi ye ambal maslamou anna allah subhanahu wa ta'ala huwa munzilul matar. Chers fidèles musulmans, ce que le musulman doit savoir, ce monde appartient à un créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se fait dans le monde, c'est Allah qui le décide, y compris la pluie. Ces saisons, c'est Allah qui les a mis et que c'est Allah qui décide que la pluie tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله تعالى بفرعنا القرآن كنا أنبال مسلمو أكو عليه جيل كابوس سانف عليه فينتي عليه فنيتي كأدم دون لانسوديا كيراك فوكو سامينا تمسيم نباتك ما درا مغوا لوكو سانجبينا Fonyo sumani mimina, ni sanfina, fonyo sumani mimina akoro. Ako ale yoke, okofe, ale jisan manji kabo sangolula. Ni aya minaya kalante tuwabukana, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui a envoyé le vent comme une bonne annonce précédant sa miséricorde. Et nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Ça, c'est dans la sourate 25, verset 48. Vous voyez que c'est Allah qui décide à quel moment la pluie doit descendre et à quel endroit la pluie doit descendre. Ça, c'est nous, notre foi en islam. Et dans cet enseignement, il faut savoir qu'attribuer la descente de la pluie à d'autres phénomènes naturels, lorsque on croit en ça, cela met à mal notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ka sanji dambekata fenwere maminti alaye. Nasro namba fora abibwara ankono an lanba la kafo. Sababu wera ulebi sanji lana alate. Uba ambo slamaya la ala kankisi kabuma. Nasro nan lanba alala. Ngama yengo sababu do ulebe ulu uleba jigi. Uwe anga limania abifiembla ala. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses sorties, une de ses voyages, après avoir passé la nuit avec ses compagnons, ils ont passé une nuit en pluie. Après la prière de Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié dans la pluie. Il s'est dirigé vers ses compagnons. Il leur a demandé, il leur a dit que Dieu vient de me parler. Est-ce que vous savez ce que Dieu vient de me dire? C'est-à-dire tout de suite, Dieu vient de me dire que ce matin, parmi mes serviteurs qui sont vous, parmi mes serviteurs, il y en a qui sont, c'est-à-dire ce matin, il y en a qui se sont réveillés croyant en moi. Tandis que d'autres se sont réveillés mécréants. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigeait à qui? À ses compagnons. Il dit, ce matin, parmi vous, il y en a qui se sont réveillés croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en Allah. Parmi vous, il y en a qui se sont
Par contre, réveillé, mécréant à Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela est arrivé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ceux qui ont dit tout de suite là que la pluie est descendue par la grâce d'Allah, ceux-là sont des croyants en Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ceux qui ont attribué cela à des astres ou à d'autres phénomènes, ceux-là sont mécréants. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ko bi sohomada nina, nga jong, do djugu jera kadou to slamaya la, uli manan balama, kasoro do fanabe djugu jera ko lugu to kafriya la. Ako fa amma man kala muturna bi fadlillahi wa rahmatihi, ko djugu jera bi, munu ulla ukoko alhamdulillah sanna na kabo ala reka nemana, ani ala kahine, ko lugu ye mu'minu ye. Haoula et Mouminou Nabi, Kafirun Bil Kaukab. Nous nous limanian bemma, ou Kafirian be loloma, anana onan yonau. Wamaman kala moturna binau ikeda wakeda, ngamouamun somaran na ukoko, san nana ka ben loloni, nin lolon blalaya, nintaraya, olokoso san nana, ko lugu kafiriala, ni alama, ou limanian be, kaukabuma, noe loloye. C'est pourquoi, chers parents musulmans, nous devons. Contrôler notre langage. Ce que nous disons est considéré. Et les anges l'écrivent. Souvent, la météo nous annonce qu'il va avoir la pluie. Ça, ce ne sont que des signes que les êtres humains ont mis. Mais tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve en est que parfois, on fait des annonces et ça échoue. Et que souvent, on ne s'attend pas à la pluie et puis il pleut. Ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Donc parmi la science, ou bien la science de l'être humain, peut lui donner des signes qui peuvent révéler vrai, comme ça peut ne pas être vrai aussi. Mais toute chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les enseignements, أن الله ينزله رحمة ونعمة لعباده. Que cette pluie là, quand Allah la fait descendre, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sani ni Allah ka to ajigila, abi jigi hine bololema. Ani nema. Alna sorona bi dotoro, mehere mimbala anta long. Nous qui sommes dans les grandes villes, généralement, quand il pleut, ça nous met à mal à l'aise. Ça échoue souvent nos programmes. Mais si la pluie ne descendait pas, il suffit même que tout le monde dit, nous savons, tout le monde dit que la pluie, ou bien l'eau est la source de vie. Toute chose vit à partir de l'eau. Les êtres humains, les autres êtres vivants, même les plantes, c'est à partir de l'eau que nous vivons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il fait descendre l'eau des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Lorsque Allah fait descendre l'eau du ciel, il dit pour faire revivre par elle une contrée morte et donner à bien aux multiples bestiaux et hommes que nous avons créés. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa miséricorde. Et il est obligatoire pour les musulmans, lorsque la pluie descend, d'être reconnaissant, remerciant envers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements encore, annahu min ayatillahi al-azim ad-dala ala ihya al-mauta yawm al-qiyama. Ce phénomène de la pluie qui descend sur des terres sèches, et après la descente de la pluie, ou après la saison de pluie, nous voyons les végétations, toutes sortes de végétations poussées. Allah subhanahu wa ta'ala a montré beaucoup de fois dans le Coran que cela est un grand signe pour ceux qui réfléchissent que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de redonner la vie aux morts le jour du jugement dernier, de ressusciter les gens après leur mort. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, wa min ayatihi annaka tara al-ardo khashi'a. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Qui veut dire,
Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée, c'est-à-dire toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente par la végétation. Celui qui lui a donné la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omniscient, omnipotent. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, mais en cela, il a mis un signe, c'est-à-dire le phénomène de la pluie. Ceux qui ont les dotés de raison doivent réfléchir. Parmi les enseignements de la pluie, أَنَّ اللَّهَ يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ, il faut savoir aussi, quand la pluie descend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide l'endroit où elle doit descendre. Cela n'est pas fait par hasard ou bien un phénomène naturel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilali fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadi idha hum yastabshirun. Qui veut dire, Allah, c'est lui qui a envoyé les vents qui soulèvent les nuages. Ensuite, il les étend dans le ciel comme il veut et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Quand Allah fait tomber la pluie sur qui il veut, ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Sourate Roum, verset 48. Parmi les enseignements encore que nous pouvons tirer, Annahu ta'ala kad yahbisuhu 'uqubatan li'ibadihi bisababi dhulmihim. Vous savez, on a dit tout de suite là que la pluie est une miséricorde, c'est une grâce d'Allah. Mais en même temps, en cette saison de pluie, c'est peut-être un élément de châtiment pour d'autres personnes, même s'ils sont croyants. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lam yanqus qawmun al-mikyala wal-mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddati al-ma'una wa jawri sultan wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama'i wa lawla al-baha'im ma umtiru. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand les gens vont diminuer la balance, c'est-à-dire tricher, dans la balance, Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver par la faim. » C'est-à-dire aujourd'hui, on peut parler de l'inflation. C'est-à-dire tout est cher. Tout est cher. C'est Allah qui décide cela parce que les gens ne sont pas corrects en majorité. Dans la vente, dans les transactions, les gens ne sont pas corrects. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens vont diminuer ou bien tricher dans la balance, Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier par la faim. C'est-à-dire, le portefeuille ne peut plus acheter ce qu'on en a besoin. Et il dit, c'est-à-dire, la vie va être chère. Wa jawri sultan, et les dirigeants n'auront pas de miséricorde pour vous. C'est-à-dire, les dirigeants ne vont pas avoir pitié de vous quand vous ne serez pas correct envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yamna'u zakata amwalihim, que quand les gens vont pas donner la zakat de leur argent, illa muni'ul qatra, Allah subhanahu wa ta'ala va faire cesser la pluie. Il dit, si ce n'était pas à cause des bestiaux, Allah n'allait pas faire descendre la pluie. C'est là, comme je l'ai dit au commencement du sermon, nous qui sommes en ville, souvent on ne voit pas l'utilité de la pluie. Mais je crois que tout le monde sait que l'année passée, la pluie n'est pas descendue, c'est-à-dire la pluie n'a pas eu le taux qu'il devait avoir. Ça a eu son impact sur toutes les récoltes du pays. C'est-à-dire que le café, le cacao, les autres récoltes n'ont pas donné comme il fallait parce que la pluie n'est pas venue normalement. Donc on a besoin de ça. C'est pourquoi il y a une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la pluie tardait, il sortait avec ses compagnons pour aller faire une prière spécifique pour cela. Mais nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas ça. Nous ne savons même pas que cela existe. Parce que on a la richesse là que nous voyons nous a fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est important
dans ces moments-là de se donner ces rappels-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et comme je l'ai dit, c'est que quand la pluie ne vient pas, souvent c'est un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, la pluie peut être un facteur de châtiment aussi contre, contre les hommes. Lorsque ceux-ci dépassent les limites ou ils causent l'injustice sur la terre. وقد ينزل الله المطر بكثرة نقمة للعصاة وابتلاء لبعض المؤمنين قال تعالى في قصة قوم صالح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Un peuple qui sont les peuples de Saleh ont été châtiés. Quand les châtiments venaient, c'est venu en forme de pluie, de la pluie. Quand ils ont vu les nuages, ils étaient contents. Après un moment de sécheresse, ils étaient très contents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans le Saint-Coran, en nous disant, il dit, puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur cité, ils disent, ou bien ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la pluie, quand le vent soufflait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage se changeait. C'est-à-dire qu'en voyant en lui qu'il n'est pas, il est contrarié, il n'est pas très content, les compagnons lui ont demandé pourquoi quand le vent souffle, nous autres on est content qu'il va pleuvoir. Mais par contre, toi, on voit en toi que tu es contrarié. Il dit que non, parce que ce vent qui souffle, ça peut être révélateur d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des peuples qui ont été châtiés par le vent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. C'est pourquoi, chers parents, voici un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer de la pluie. Mais ce n'est pas fini. Il faut savoir que dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des consignes, il y a des conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Quand il est le temps de la pluie, s'il pleut abondamment, nous sommes autorisés à cumuler des prières, à savoir la prière de Maghrib et Isha. Mais ça doit être dans la pluie, au moment qu'il pleut. Ce n'est pas parce que lorsque le temps est menaçant, il y en a qui voient, quand on voit s'agiter dans la mosquée, il veut qu'on cumule les prières. Non. C'est lorsqu'il pleut et que la pluie est abondante. Il y a des savants même qui ajoutent que la pluie est là et puis les rues qui mènent à la pluie, à la mosquée sont boueuses, c'est-à-dire il y a la boue et il y a l'obscurité qui fait que les gens sur la route ils sont exposés soit à tomber dans les eaux bouées ou bien et puis il y a chose de l'obscurité. Donc pour nous, notre cas aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses sont aisées. Donc, si nous nous retrouvons dans un endroit, que ce soit dans notre maison ou bien nos bureaux où nous sommes en cours de réunion, si on se lève pour prier, on doit faire les prières à leurs heures respectives. Ne disons pas qu'il pleut. Non, c'est pour les mosquées seulement, là où il y a les grands rassemblements, là où les gens quittent loin pour venir. C'est pour éviter le fait qu'ils vont aller et revenir encore. Qu'on cumule les prières. Il faut savoir aussi qu'on cumule seulement, on ne raccourcit pas. C'est-à-dire on fait la prière de Maghrib 3, la prière de Isha reste comme telle, 4. On ne raccourcit pas, sauf si on est en cours de voyage. Comprenons ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il faut savoir que quand la pluie est très très forte, nous sommes autorisés à rester chez nous à la maison et à faire les prières. Troisièmement, il faut savoir que lorsqu'il pleut, c'est un moment d'exaucement de vœux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, quand il pleut, les portes des cieux sont ouvertes. Donc, les vœux, les bénédictions ou bien les évocations sont beaucoup acceptées, incha'Allah. Donc, quand il pleut, il faut faire des doigts, il faut faire des invocations. Encore, il y a des invocations spécifiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il pleuvait. Par exemple, quand il pleuvait, il disait « Allahumma soyiban nafi'an »« Oh Allah,
que cette pluie soit une pluie bienfaisante et bienfaitrice, ou bien une pluie qui fait soulever les végétations. Et encore, quand la pluie était très forte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma hawa alayna wa la alayna, Allahumma alal akami wa dhirab wa butunil awdiyati wa manabit shajar. Quand la pluie était très forte, menaçante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait à dire Seigneur, sur les montagnes, les dunes, les vallées et les endroits où poussent les arbres. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux envers nous. Ça, il nous a montré de faire la prière. Qu'Allah soit a fait partie cette pluie-là dans des endroits où la végétation pousse, dans des endroits où les cultivateurs sont dans leurs champs, pour que cela va retourner à nous ici, dans les grandes villes. Donc, faisons cette doigt-là, apprenons cela et faisons cette doigt-là. Et quand la pluie cessait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Moturna bi fadlillahi wa bi rahmatihi » que cette pluie est venue par la miséricorde d'Allah et par sa grâce. Et encore, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il pleut. Souvent, il y en a qui ont peur de s'exposer à la pluie. C'est vrai, pour ne pas que ça nous mouille et ça mouille peut-être nos documents qui sont sur nous. Mais il faut, lorsqu'il pleuvait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'exposait à ça un peu. C'est-à-dire, il faisait que des gouttes de la pluie le touchent. Les compagnons lui ont demandé pourquoi il faisait cela. Il dit parce que elle vient à peine de son Seigneur. C'est-à-dire par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de descendre. Donc elle est pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exposait à ça. Donc quand il pleut, il faut sortir un peu pour qu'un peu de pluie te touche. Ça c'est une grâce, inshallah, une baraka pour toi. Et encore, quand le vent souffle, on a dit qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre le mal de ces vents, s'il y a un malheur dedans. Il faut dire ça, il y a un doigt pour ça. Mais il faut éviter à dénigrer ces phénomènes-là, à mal parler de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que mauvais temps, ou bien ces mauvais vents, ou bien cette mauvaise pluie, ça, ce n'est pas l'attitude d'un musulman. Les blancs disent ça, mais nous ne devons pas dire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a montré que Allah dit que mon serviteur me fait du mal. C'est-à-dire, mon serviteur me fait du tort. Comment un être humain peut faire du tort à Allah? Allah dit parce qu'il se met à injurier le temps, il se met à injurier, il dit mauvais temps, il se met à injurier le vent, alors que c'est moi qui crée le temps et je change le temps comme je le veux. Tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne copions pas ces mauvaises attitudes des autres, car Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers parents, comme j'ai dit, quand il pleut, c'est un moment d'exaucement, de prière. Ces deux jours-là, alhamdoulilah, il pleut abondamment. Quand il pleut, partout où vous êtes, faites des doigts, inshallah, vous serez exaucés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Face à Allah, que ces pluies soient bénéfiques pour nous et pour tous les pays et pour nos animaux. Inshallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع إخواني أمبال مسلمو أنا بخطبة أبو اللامين كان كومي مغتشاما با فامتوغا منا أنا فامبا بكت وابوكانا ميام سيكو كا حق لجيكي كا كما باولا أنا كان إن شاء الله أنا يراغا فوامي واتي منا سنجي واتي ولو ولا نسامينا ألا كالاتيغالي أبورا لالي لا كو كو بكت دوماكولو كان أبلا جلين بورا لاو تالالي لا ngala ka adama din ladia kato a loni do ke ka tamansien do ye ngala ko da me ka ta tamansien ma mama fongo ala tala le ka ko bela jelenke wole ka da ala tala ye o ko fe ni san nana herale na ke le ka bara do chien wal ma ki ka bononi ki ka fini nyigi ma abena na hera wara min di masini ele to long ni san kunte anga bare mbop mesa ni san kunte
sene kunti marché Congo kono donc la nemale ambe ka e salon afarako sene manye en fait aleni yoro chama duna kono mukoso parce que sanji manaka wasake akechugo yala oko fa mbalma salamo sami minanani alaka tamasien le kayira foko ala bidu makolo min sara ajala pepe ma ala ba ke abinyena mayani sanje chuga mina ala ko amakurana kono ako ale bi shu nyena mayani chuga alila ninkanga ka hakili di mooma moomu no bi jate mina ke kanke o mooya ala mokera anya longa fofana sanka na yoro dola ka yoro do toy aka chaya sandola yoro dola ka yoro do toy nimbela ka ko nimbela ka plantra seni adama don seko fo itala adama don bi seka ko doke ala hina na moola ka ke am seka ko do layele me wati dola ibaye amaye kuma da television na to abu bi avion ta katara produit do bla kaba noula bi san lana ni bela jela ala ka hina le wa fa an dem sanu nyana e kol so la ko du ma ko lo funeni ji funeni bi wuli katara katara franyon ka ni fon nana abi jigi ni ala ka fem bla ni ne na krate o ti kaba koko ye fon yo funeni yo ji yo sangolo ni bela jela ala tale ala li ba latke ji bi forme cho amina ka ke vapeur ka wuli ka boy fon yo bi tana yoro la yoro min kadi ale ala e kata boy na jigila mi mbinyi na mfe ama fo alhamdulillah sani nana ka bo ala talaka hinana angana fongo no lolo lomba do koko lolo ni place la yoro na ni kerate wolma meteo ti ko television na te ko ni san na bna kete ko lo nikman ni kato ka fo na fora ka boy dala dron o man yi kali maniyama mena bora yi kono illala la ka miri ka fo ko fon le bake wolma ko du ma ko lo ere to ya wolma sangulo le bake ala kan kishi o bi mo bo salama yala de ta famia ko nyumanda ma ala mokera aya longa fo sami mina mana mina bi na ne man boloma kajigi madora ala talaba ke jangatai ko man bay ko madora sanana do ka bombi be abike inodation ka do yoro dola ruko so ala bi kaba ko ke fami na ma yongo herele abake here ik madora abake here tanama ik madora iba e warbi ke mo chaman ka sababu nyumanye abike ala mo ya bi misiru lo abi nyumanye ke abi kabilata warbi modo yada ko ke jurumuto ko ke fenjugu ye ko ke janamedin ala kan kishi uluko so fen foite ni nyumantala jumantala uluko so ala kirap ma fo sallallahu alaihi wasallam ala ala talaka barabela ako al khairu bi yadayka wa sharru laysa ilayk ko ele ka ko be here ala ka ko be here ko juguta ala fe ibi ko 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 ka ele toro ele re keleni a here do bi mame ita loni nkume abi hakatu nkuma mena rajula londonna erefika ukuma na dugudokan ko duguto samina na soso chaira do bina duguto demeka soso fara motna soso befara jani soso befara la fana amay moma jawu kake ifana olubi antanga no chamanema ubi mikrofu chamane dom odole be nuna na blana abambana menolu tei ha nyerema abiche nere kome koko ke hera dobala anu le biseka ke antalon o kelenini san keleni madara ala bi dimi abatike wal ma bi dobala ina fo adoyan mban fe chogamina angana ye ngwan kainde jurumu ka chambal maslamo jenaya warala jenaya rekera halalai mo bulu kamelen den ka doni nyemo musoti min bulu sunguru den ka doni nyemo chati min fe nyemo den bi robela jelena ni mainde jen la banta masiene ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kun dunela masira sunguru do mena fanbla akonye mo do mena chaya ibi jija ika luko no dokana kede mamso jija idemso kata furula dokana nyemo yake kuma tekana nyemo den so no do no chaira wati mina ni kilo tigela mo ti sira la nye yurku yurku chaala po de vin bi mina krefe no chaala ala tala bi sanji tige ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuni began sababu te ko sangutina me began nunu uma ujurumu mami uma bon do ala bi hina sando bina me ko bi che ala bi gele ya do dugu kono warba mbolo ma tambo dobi fara salaire ukan dobi fara depense kan abike ko me an we se ko folo folo la ambal maslamo ni shiti kara la ni nema ala le bin bela jilin kara ka akli ni manda ma ala mo kara o ko fe khutba la bayna ala kira sallallahu alaihi wasallam ni sank minna ap me sel fara nyonka mimi ta ke fitri ni safoi pourquoi abi fitri ni safo fara nyonka parce que olu bi ka choufele donc lon ba do ko ko dibi ni dibi beyi jifana potopoto bisira la sira mai dibi bey
e ba lo mo ko ba chaman bi wonato e bi se ka do jino wala do re bi se ka bin donc o be le bi jatem ne ka soro ka jamuke e ba mo do be ni san fino bi jamuke ni san musu musu lo bi jamuke mo kana tulun ke ni ala ko yi seli bela jene na lerle ala re ka hine do le ka ya fama ko sambe ilo aya fara nyoka naam melon ba o koko ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha koko ni darura ro kala ko aya keme o korota era ko ni dona la bi yere bedama ibi hakli sura o kella ro ko so ngana dimi imamu koro ni imam ka calculer ka ika fo selima ka jamu ayeto ako alele balon na kunta lo akuntuna blanye fe na kunta lo ikuntuna na sela ale ko fe selama shima ka imam soso ni ka imam soso ka kujugu baleke ala ka famu ya ko mandama o ko fe fana ni sana na chaya bashite do wa fo me on do fe jamu. Il n'y a pas de problème. Si tu considères que la pluie est très très forte, que ça te met à mal, il faut rester à la maison. Inch'Allah. Il faut que tu sois en nom. Il y a celle qui est ni sans kacha. Mais elle est à la hauteur de la parce qu'elle est là estimée que sans kacha, qu'elle est en train de se faire. Mais l'imam Koni, elle est en train de se faire. Au cas où il y a un bâle maslam, on est sans mina. On a la sécurité. On a tout à l'heure. Il y a un mot français. Il y a un mot français. Ole ni san mankambora kaba ni kaba mankambora kusebe nama ole ngo toner no sonela dugo do bike parce que sani ala ba ke jangata ka jigi dokan san peren abi jigi dokan abi chen doke do ala krap me dugo ke sallallahu alaihi wasallam ma fanti ke ala ko kana an jangata ni san peren ika hinana ika na diman koro kan jangata ni san peren do bi dugo ke o ko fe fana akoni samina ko dugo mine watile ibi se ka dugo ke ki amina ko foka to ka fendo fo idakoro nani meleka ko amina bena inshallah ka dugo bi mine o ko fe fana ni san fana mina na tuguni fo yo bi bok madora san ma nga bara o chen madora kana watin nani kana san nani kana fo yon nani ni bela ka ko keta ni eletara modo fe itir ke fe itara iko joni ka yoro josite atiki se fo ila na musole ka josie ele no bi bentuguni wa ni mo ka barake ne le ka barato lagosi e ka barake ba le lagosi don ni ka san lagosi ka wati lagosi ka tla ka foyon ka dimi ka foyon nani ele ma foyon nani wo foyon ti barake ra yere min ka foyon bara e ko le nani confiance babula lo ko so confiance do be ya fato la de en bon re kalama anya nga dinanya ni ka lon ola kuma laba mi be ni sami na fana ni doki soro herale madame ami ikabara fendo chien ibi yere bo pour que san don bi soro kira kun kira sallallahu alaihi wasallam ni samina abi bodo doni ka halanga na bo kuna doni ba soro sabo ya nyini ga ko mun ko sabo ke ako ko sabo ko aboto kurale atigi fe aboto kurale san fe akasan wala ambal maslamo ank me fera nyon ladi mina bi nala sona maka ben watin maule beni al biladil kan fitinik mbey wole ye ami wati mina fana anga jamana nyemogo ba nyina fe ko anga bo yoro la yoro mun nani khasara bise ka ke on nous demande les autorités de nos pays quand je dis de nos pays partout dans le monde vous allez voir que les autorités exhortent la population de laisser les endroits dangereux vous savez ça c'est un principe de l'islam Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le saint coran wala tulqu bi aydikum ila tahluka. C'est-à-dire, ne causez pas votre perte. C'est-à-dire, ne faites pas des choses qui peuvent être la cause de votre perte. Moi, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire à Balani. Elle est en train de me dire que je suis 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 en train de me dire que bon kan ka digi kolin fe pour que ni sanana sani kana bo ko ka bo bon koro mais ala kan be kisi fantayama ala kan be kisi desema mais ni ka sababu don soro boy suno yi muso jurumu bi kan e don jurumu bi kan iba do bi toy iba me sambe al salon quartier do be anga me bombena muso don an dem ro fla den saba ima lo ki bi jurumu soro dem sen nu ma mi ma bon nu dem sen ku koro ba ala ka lo ko danger bi quartier la o bi bo mais le fache kini tlo gelea doni anga nyemoko kwa en blairo dola madora uti wulele kelen kama kana kodok sele kelema on regarde généralement l'intérêt général
on se permet de dire souvent, c'est de l'injustice, c'est pas normal. Ça n'incombe qu'à eux. C'est des dirigeants. Allah va juger tout le monde le jour du jugement dernier. Mais toi-même, tu dois juger ton bonheur, où se trouve ton bonheur, où se situe ton malheur. Allah ka hakili di bela jelema. Donc, moi, quand ka baraké ni hakili. Donc, là, Aminyon, on l'a dit, là. Et encore, je ne finis pas. Quand on conduit sous la pluie, on doit aller doucement, prudemment. Parce qu'il faut savoir, moi, je ne sais pas la vitesse, là, l'accident créé. Les gens là, pensent qu'ils sont sortis comme ça, indemnes. C'est-à-dire, nous avons Anga lanyini kime juma naka hakila jigi munu ke kabe sanjikula. Udobe le minye. Alibi alaka fami wako njuma ndama. Alaka teme anka here la. Ka here chaya anga jamana mani jamana wara uma alamu okera. Ka sababu akama sababu njena mani ka alako njuma no alamu okera. Rabbana takabbal minna innaka anta samiu lalim. Watuba alina ya maulana innaka anta tawabu rahim. Waghfir lana innaka anta lghafuru rahim. Allahuma barik lana fima atoitana. Wajalna min ibadika shakirin. الذاكرين الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وفي من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يرزق من يشاء